dans le cadre de la mission de réinsertion scolaire et professionnelle des enfants qui ne sont placés par décision de justice, nous avons jugé nécessaire, compte tenu vraiment de la précarité socio-économique qui prévaut dans cette région, qui est marquée par plus de 3 décennies de guerre, mais avec la situation ni paix ni guerre que nous vivons présentement, et avec les difficultés socio-économiques que nous notons dans certaines familles, nous avons jugé nécessaire, à la veille vraiment de l'ouverture des classes, de leur octroyer pour chacun un kit scolaire pour leur permettre vraiment de démarrer avec brio leur année scolaire. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes réunis ce jour au niveau de cette salle Dimitri Ndiaye pour non seulement honorer ces enfants qui méritent vraiment toute l'attention particulière de la région, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs vous avez noté la présence de monsieur le gouverneur de la région, mais la présence aussi de l'ensemble des autorités judiciaires de la région qui permettent à ces enfants-là non seulement de savoir qu'ils font partie des enfants du Sénégal, mais aussi lui devenir effectivement de ce pays. Ils sont au nombre de 200 à bénéficier de kits scolaires. 200 parce qu'il y a 200 kits scolaires au niveau de la salle, mais j'avoue que avec le nombre de kits scolaires que nous avons reçus, nous pouvons cette année remettre à 300 enfants des kits scolaires parce que nous avons quand même reçu beaucoup de donateurs. Ce kit est constitué parce que ça dépend du niveau scolaire des enfants. Pour les enfants du moyen et secondaire, les enfants ont reçu chacun 6 cahiers de 200 pages, 5 cahiers de 100 pages, un kit de matériel géométrique, des stylos, un cahier soit de 100 pages ou de 200 pages. Concernant les enfants du primaire, ont reçu un sac comme les autres enfants du moyen secondaire et du secondaire, des sacs de qualité, mais également 3 cahiers de 200 pages, 3 cahiers de 100 pages et 3 cahiers de 50 pages, une ardoise, un kit en matériel géométrique, mais également des stylos pour leur permettre véritablement de pouvoir démarrer l'année scolaire sans aucune inquiétude. C'est un grand honneur parce que nous savons effectivement que les filles ont été très souvent mises en rate du fait effectivement de la surcharge de travail domestique qui ne leur permettait pas en réalité de pouvoir exceller comme les garçons. Nous sommes arrivés à l'ère où effectivement garçons comme filles faut bel et bien exceller à l'école parce qu'ils naissent avec les mêmes compétences, et je pense que c'est dans le cadre familial mais également dans le cadre scolaire que vraiment ces enfants-là doivent davantage être boostés, notamment les filles, pour leur permettre de croire en elles-mêmes, de savoir effectivement qu'elles sont logées à la même enseigne que les garçons et qu'elles peuvent même dépasser les garçons. Mais compte tenu du fait que je ne suis pas féministe, je suis aussi bien pour la cause des garçons que pour la cause des filles. Et j'aimerais bien voir aussi bien les garçons que les filles réussir à l'école pour le bien effectivement de tous les enfants du Sénégal. Le message que je lance aux parents, c'est qu'il est vrai. Ils peuvent très souvent évoquer la précarité socio-économique dans laquelle ils évoluent très souvent et qui impacte négativement sur leurs enfants. Mais je pense que chaque parent devrait faire un effort de pouvoir assurer la supervision de son enfant et de ses enfants, mais également développer ce qu'on appelle une communication constructive avec ses enfants, permettre à ses enfants-là de pouvoir s'exprimer, de pouvoir dire ce qu'ils ont de plus profond en eux et de partager effectivement les difficultés auxquelles ils sont confrontés, parce que nous sommes dans l'ère de l'autoprotection des enfants. Chaque parent ne peut pas être derrière son enfant, mais il faudrait vraiment que ses parents reviennent à de meilleurs sentiments, qu'ils sachent que c'est dans la difficulté que ces enfants-là pourront demain pouvoir savoir qu'ils sont fiers. Et j'ai l'habitude de dire, le nom de famille est important à pouvoir expliquer à l'enfant, parce que l'enfant doit savoir que veut dire mon identité, que signifie mon nom de famille, que signifie mon prénom, parce que nous appartenons tous à une lignée. Et je pense que chaque enfant devrait défendre sa lignée en travaillant bien, en ayant un bon comportement à l'école. Et tout cela dépend de l'éducation, mais surtout du processus de socialisation dans lequel a toujours évolué ses enfants.